Freddy t'a dit « Je dirai jamais le mot nègre, ni celui de Bamboula. » Mythologique. Dans le même match, tu lui redis « Pote, je dirai jamais nigre au promis. » Ça n'a pas de sens de répéter 15 fois un truc que t'as promis de pas dire, mais ça situe son niveau de logique. C'est devant Andra que tu l'as remarqué. T'as saisi ça impeccable. Paranorak, paranorak. Toi, tu le matais blasé, comme « C'est donc ça, chien, tes phases. Comment il peut me servir ce truc si claqué ?» Ce que je vis devant chacun de tes matchs. Mais ils trouvent ça bien, tes fans, sans savoir que les trois quarts viennent d'Hermano. Pour d'autres, t'as le soin de les gratter quand tu t'abstiens de les rapper. Ta dame passe loin de ses bars. C'est drôle, mec. Puis que ta femme, elle crie plus pour toi. T'es derrière le mot au nègre, chaque fois K5 débarque. Hey, faut que tu me grattes un schéma. Et yo, là, tiens, j'ai que ça. J'adore les singes. Pote, dis-la telle qu'elle, elle est grave bien, celle-là. Ton ghost ride, zinc, c'est naze. T'as rien que des fast pace, vex, ça demande. Maintenant, K5, c'est ça. Il veut plus canner quand tu y as bâclé le testament. Puis ça fait un paquet de textes à prendre. Moi, un truc pas bien, je l'efface. Toi, en tête, t'as rien que des noirs, comme si t'avais un blackface permanent. T'inquiète pas, je vais te faire apprendre. Je fais des blagues sur les juifs, mais s'il faut, je m'aligne. Rime, flow, facile. Gros texte, c'est quoi? Paraît que t'as écrit du lourd, mais K5 est venu du côté de chez moi vu qu'il perdait des kilos à Lille. Je suis si haut que je vacille. On en a marre, step up. Alors toi, on espère que tes skills finissent par rattraper ton niveau de racisme. Je suis le pivot de la ligue. Des restes de Baptiste tout t'as dans le move. Tu commentes, on en parle, mais rien que du taf de valeur. Toi qu'on te prenne pour un raciste ou pas, je m'en fous. Du moment qu'on ne prend pas pour un battle rappeur. C'est bon? Let's go! Bon. En arrivant sur scène, je fais gaffe. Je risque de marcher sur ta bite. Donc, quand t'arrives sur scène, fais gaffe! Je viens te marcher sur la bite! Ton pénis est énorme, oui, banal. C'est anecdotique, au premier élite, Kobe Bryant. Mais ça, c'est chiffre, et ouais, ton niveau fait que baisser, je m'adapte. Comme pour Cabenueve, tu pouvais pas me refuser la date. La tech doit fuser plus affûte et que ça claque, j'affronte l'inspecteur aux méthodes musclées. Du coup, ce soir, je me mineshaft. J'ai réfléchi aux mots, aux suites. Quelques idées. Bref, pour être devant toi, j'ai fait comme Auschwitz. J'ai cheminé. J'ai repensé à Human Centipede. Mais comment mater ce film? Perso, j'ai évité ce foutoir. Avec ma fille, j'hésite déjà pour un Disney quand tes enfants s'endorment paisible devant nuit et brouillard. Aïe! Chief, écoute-moi. Je suis pas tatillon, mais t'es incapable de conclure. Attends, merde. Je suis pas... Let's go! Chief, écoute-moi. Je suis pas tatillon, mais t'es incapable de conclure. Les malaises en fin de rente, c'est ta tradition. Le nombre de flops se compte plus, mais je peux pas en vouloir à un asillon de ne pas avoir de bonnes chutes. Oui, regarde-nous, on a la trentaine. On vient, on s'affiche, ben on s'en fout, tant pis. Mais on commence à vieillir dans ce game et toujours pas riche. Ça, c'est Jumanji. Puis sur ton visage, on distingue les signes du temps. Et à ton format, on constate les bienfaits du régime du camp. Ton frigo est pauvre. J'écarterai cette vidéo de ma fille, c'est flippant, d'ici je vois tes côtes, l'éclairage te fait une radiographie. Et si le battle c'est ton sport là, y a pas de débat, car ce qui constitue ton corps, bah, c'est Jack Debars. Je pourrais te le dire en allemand, venga. Check cet argument, gêne pas, si je mets chiffre dans une boîte, c'est que ce soir je range le Jenga. Et crois-moi, je m'en remets hein, de ce que ces faux culs pensent. Mais avant de te prendre pour Jesse Owens, faut que tu manges. Je sais que t'as la tourniole, mais reste zen. Faut t'éloigner de ta troupe de crétins. Après le battle, je t'invite pour 2-3 bretzels et une boule de Berlin. Oui, toi, je me fous de leur liste ou de leur machine, de leur minois. Je sais que Chiefs Gour, tu lances du Zik Heil, ça gline pas, si fier jour du Kippour. Comme t'es parti la suite, je te l'ai dit, moi, tu feras le salut du parti chinois sur un cimetière de Ouïghours. Puis c'est même pas que ce trip choc, hein. Avec l'accent allemand, mi plic ploc. C'est alarmant, ça fait putain clic pote, aucun propos qui sert vite bof, tu ne veux plus toucher les gens. Ton plus grand rêve est de rendre Hitler hip-hop.
Donc ton costume de nazi va à l'hiverne. Avec Scorsi, tu passeras pas l'hiver. Puis d'ici, tu pâlis, capitaine. On avait dit pas le physique et merde. Me dites pas que j'ai fait chialer Saminem. Car comme lui, t'es têtu grand, ça se voit. Comme vous, l'espoir est mince, mais j'assure la gifle. J'excuse même les aigus dans ta voix. Après tout, ça fait 2 minutes 35 que je te marche sur la bite. Ok. Ok. Ça fait 7 ans que t'arrives à faire en sorte que des gens pensent que t'es un lyriciste. Fallait que je t'en parle à l'occasion. Tu sais, les doubles sens que t'es fier de spit ici. Bah en fait, nous, on appelle ça les parano-bars. Check-toi, salopard. Je crée un holocauste dès l'entrée, avec des noms d'oiseaux bien pensés. Des toucans de concentration. Ça risque... Ça risque pas de te perdre. C'est difficile parce que je vois que t'as bossé mon con. Mais tu peux pas te prendre pour un lyriciste quand il y a un type de face de merde à qui on a donné ton nom. Tu veux que je t'explique ? J'essaye. Rime, flow, je suis l'oligarque. Je lis dans l'esprit des rappeurs, frère. Big Flo et Olicard. Quand il punch, il joke, c'est trop bizarre, mais fuck. Noël 2020, il ouvre une cagnotte pour emmener des gosses à Disney. Il demande 5000, quasi 100% des gens du BR qui financent sa Ligo. 2 mois après, objectif atteint. 2 ans plus tard, on lui demande, alors les gosses ont kiffé ? Silence radio. Plus un mot à sujet, plus un mot à sujet dès qu'il a vu s'engranger le flouze. T'as pris 2000 en un live de Madou avec son audience et views. Puis tu m'as comparé à BFM TV alors que même si elles sont fake, au moins ils donnent des news. Je veux pas faire durer le round, mais dude, je vois pas trop quel est le pro. J'ai, va pour le racisme. En revanche, je dis pas que t'es un escroc, mais y a 150 personnes qui ont lâché trop de bif. Résultat, pas très joli. Des gosses sont pas allés chez Disney pendant que ça fait 2 ans qu'il y a sa femme. Cette année, je pense, on va repartir au ski. La suite va être assez horrible, mais ils veulent la 2e saison. T'es teubé, c'est con. Ok, ok. Prouve-moi que t'es pas raciste avec tes 2 amis noirs. Tu veux montrer lever de la victoire. Tout ce que t'as montré, c'est comment lever des fonds voleurs. Bon, c'est bien ceux qui essayent au moins de faire des actions qui payent toujours le prix plein. T'inquiète, c'est vrai que j'ai pas mis de communication, mais j'ai mis mes gosses bien. Donc, alors oui, j'ai fait une pause. Ce soir, pas de baratin. Pour certaines résolutions, j'ai dû me couper du délire. Mais je suis pas à la bien, je suis Aladdin, chaude dans la gueule du lion pour retrouver du génie. Dans ce move, trop d'étiquettes. Je serais le fossoyeur si je te roule une pelle. Au RC, t'étais souvent absent, aux propos qui se répètent. Ici, t'es toujours là, propos gore, tu t'éteilles. Mais c'est la logique Disney. Fallait bien qu'Aurore, tu te réveilles. Mais toi, ce que pige la foule, tu te tracasses pas. Ta boule dans le perso d'un rascar art, t'as la plume aussi pointue qu'une cagoule du KKK. Et ça pique. Puis, ton taf, c'est faire de la pub, c'est ça? Un monde de valeur, de l'argent. T'aurais promu musique lombée en gras et large. J'y mettrais plein d'ardeur et de talent. Mais à l'époque de l'esclavage, tu ne serais pas le marcheur, mais le marchand. Puis dans tes lignes sectaires, il y a plein de patois qui se mélangent, la classe totale. Tu nous appelles frères, puis nous dis en plusieurs langues comme Mathias Pogba. Et puisque la connerie empire, 70, 90, c'est logique, pas besoin de grandes 10. Vu votre schéma chronologique, toi t'es ce mec qui rêverait de grandir dans les années 30-10. Mais pour toi c'est si facile. Avec eux t'es dans le théâtre de tes rêves. Ne va pas battre l'ailleurs, non t'es pas le meilleur, juste le plus cher défenseur des Reds. Ouais, toi t'es Maguire. Puis en vidéo, j'ai pas oublié, tes commentaires j'adore. Je te laisse gémir chez Ktator, je viens pas te tirer les oreilles. Moi si je vise le lobe, coup de génie comme Berbatov. Je te mets 2 cols sur les tempes, j'ai des idées fines. ZZ, t'es coincé entre 2 roulettes, ça c'est Zinedine. Mais c'est votre gardien des bars, ça? Oui. Frère, c'est chum. Dans ce duel, tout ce qui se retrouve à terre, c'était gun. Avec cette bête tête devant qui tous s'accroupissent, Battle va te coûter les yeux de la tête comme Gustavo Fring. Mais c'est qu'un détail se baille. En un geste fini, t'as un clic. Y'a peu de chance que le Jedi maille. Ça c'est fini, passe, bitch. Chacun les siennes. J'ai des tas de refs, différents choix de bars, de taille, de ma griffe, la ton mat, le prime, frustré par le time, faire tomber le mur et je vais te tuer car tu es le Battle Reich. Ouh. Ouais, t'aurais fait du mal à Coluche. Puis même à Bourville, t'es prêt à tout faire tant que ça douille.
Normal qu'il soit devenu le nazi le plus dangereux aujourd'hui, ouais. Ex aequo avec celui qui louche et dont la grande vadrouille. Puis je sais que ma voix t'agace, surtout depuis que je kick ce soir. Mais je me rassure en me disant que la flambée du prix du gaz a dû te faire plus mal qu'à qui que ce soit. Oh. Et rien que tu fais le... Et rien que tu fais le seigneur dans ta crise d'adocrade, c'est l'erreur que tu sois l'as ou le roi, quelle importance dans un château de cartes. Donc, votre histoire de goutte là, je le trouve trop qu'on se baille. T'es leur chèvre, mais j'arrive sur dragon. Tu te croyais sur de bons rails, chèh, t'aurais dû vérifier l'étoile sur le wagon. Oh ah, okay. Hey, à ceux qui lui replantent tous la lame, un problème d'orga, ça arrive, cous, ça va. Mais ton flip contre Fléau, pour le coup, c'est pas mal. J'ai téléphoné à Disney avec les 5000 euros, ils m'ont demandé le double, donc j'ai pas voulu faire vos poches, du coup, voilà. Gros, c'est pas du tout valable. T'as atteint le prochain stade. Si les tueurs reviennent sur les lieux du crime, cette fiotte s'y installe. C'est comment niveau remords quand ça fait plus de 2 ans et que t'as encore le lien de la cagnotte dans ta bio Insta. Oh, gros, c'est infâme. Oui, je te jure, c'est ici que je te tue. Vous entendez? I-E-U, I-E-U. Parce que vous pensez qu'il va venir est moins évident que l'arnaque qui se cache derrière le lien de ta cagnotte quand on clique dessus. Fils de pute. Ça aurait dû être moi qui fixe le but, mais jamais une bonne idée scintille, je te l'accorde. Hey, fallait mentir au lieu d'être indigne de chaque gosse. Dès le départ, t'aurais dit que c'était pour que t'arrêtes le BR. J'aurais mis les 5000 de ma poche. Hey yo, prends tout de suite la porte. Dans l'arnaque, top, t'es grave précis. Mais t'as perdu tous les potes que t'apprécies. Après, ils peuvent s'en prendre qu'à eux s'ils lâchent de la thune easy comme les trabessis. Heureusement qu'ici, on a de l'esprit. Hey, heureusement qu'ici, on a de l'esprit. De l'arnaque, on flairera tous l'odeur. On a été ou trop bon ou trop con. On a senti la douille profond. De ma voix, vous étiez tous moqueurs. Mais quand je me mets à rugir, vous fermez tous vos gueules. Goûte nos pompes. Maintenant, si une cagnotte, tu te mets à l'ouvrir, vous fermez tous vos comptes. Ouais. Wow. Ça fait longtemps qu'il devait se faire ce battle. Mais t'as attendu qu'on le fasse chez toi, dans ton salon. Filmé par papa, diffusé par tonton. T'y attires ta secte, les chatons. Donc, t'arrives le fut de BCE, comme ça, sur ton concombre. Arrêtez les mecs d'ici, c'est dégueulasse. Et oui, mon opinion compte. Tu donnes pas que ta langue aux chats. Ils sont ton ombre. Quelques assonances qui se confondent et se confondent. Ils attendent que tu craches ça, leur regard omniscient te rend fou. Mais après ce clash, tu les remercieras pour l'investissement en bourse. Car grâce aux 4, t'es devenu le maître des tout babs sans street cred. Les 12 là, t'en pif frais. Aïe, aïe, aïe. C'est le début, les mecs. Car grâce aux 4, t'es devenu le maître des tout babs sans street cred. Les 12 là, t'en pif frais. Serre les couilles pour balle anti-stress. Ça y est, je crois que tu l'as retrouvé, ton human centipède. Car c'est même plus des melons, l'esthétique, t'es pas steak. Je vous dis pas ce que vos saloperies de salade tendent. Ça lance des RIP et pas de steak, puis ça crie que la lame avance. Mais... Voilà. Ok. Mais, pendant que tu te complais, je me complète. On sait que seul le complet, c'est complexe. Tu mises tout sur le flow, oui, la manière dont tu procèdes, ça me rappelle qui. T'as capté le gimmick devant lequel les gars se prosternent, t'as compris comment faire réagir, bref. Tout ce que t'as l'air reproché à Wojtek. Oui, c'est dingue comme il t'obsède. Ça te rend grave, aigri. Tu voudrais être responsable de ses obsèques, et pas qu'artistique. Mais mec, c'est ton reflet, tu ne vas faire que péter à la vitrine. Car comme lui, tu changes de coupe, petite lunette de charogne. Moins proche du Disney d'Ariel que de Charonne, c'est sidérant. Remplis tes barres de pute et de salope, comme pour assurer chaque ronde. Tes plus grosses faces sont sur les daronnes. Et tu fais le mec si différent. Comme lui, tu fais la diva prise. T'as tes humeurs, tes craintes.
Comme lui, t'as ton perso raciste, la même fureur de vaincre. Comme lui, tu battles que dans ton monde si confort. Puis tu craches sur le RC, risible autant dans le fond, vu que t'es devenu la copie conforme de tout ce que tu méprises et de leur plus grand champion. Je résume. T'as quitté le RC parce que t'allais pas à Wojtek. T'as créé ta ligue, tu t'es matché Wojtek. Et la surprise, il est pas venu Wojtek. Merde, si j'avais vu vos têtes. Mais il n'y a pas de malaise, hein. Big up Aurore, le taf buzz. Et si vous n'avez pas mes refs, eux non plus. De toute façon, le live bug. Reste là, j'ai pas fini. Attends, t'as pas la chute. T'as pas la chute. Et c'est ta faute. T'arrives relax, tout bang. Pendant que Madou et la manif font un burn-out. Toi, t'es là, tu fous rien. C'est véridique. Je voudrais pas mettre le feu aux poudres, mais pendant que les deux mettent des pluies de gifles, toi tu prétextes que t'as mal au coude. Merde, encore un coup du petit juif. Oh, mais malgré tout, tu t'autosus. Si bien que si je te cloue le bec, je te transperce la verge. Rien que ça ricane. De ton bédo, je t'enlève la verte. C'est un passage à tabac, je vise large. Trois rounds que je te marche sur la bite, c'est ta bar mitzvah ou je suis là. Obligé de tuer un frère pour le Sharingan, vas-y répète-leur que j'ai pas de skills fiables ou que t'as pas pris de crack. T'arrivais pour une gâterie, tu repars la bite plate, puis t'effaces prise droite, c'est un tas de lignes crades, donc je réédite. Mais je suis pas le battle rap ce soir, je suis ton Stalingrad. Wow, 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 wow.